Ok, on va se lever pour prier. Même toi qui me regardes à la maison maintenant, on va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ce deuxième cours. Je prie que Seigneur, ton onction continue de couler au travers de ma vie. Je place une attente devant de ta face, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci de nous donner de comprendre cette parole. Et que cet enseignement ait une influence dans nos vies. Que cet enseignement change notre façon de voir. Et nous repositionne sur la terre comme tu veux qu'on soit. Merci Seigneur. Car je sais que le pauvre pourra dire je suis riche. Et le faible pourra dire je suis fort. Parce que rien n'est impossible, Dieu que tu es. Merci pour l'émergence de cette nouvelle race, nouvelle catégorie de personnes que tu repositionnes dans la cité du monde. Merci pour ces héritiers et héritières d'Abraham. Par la foi, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. Car la foi de chaque personne ici présente amènera à l'existence ce que tu nous as communiqué, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors tu dis trois fois Amen. Tu peux t'asseoir. Le désir de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est que son enfant prospère. Dieu veut te voir prospère. Il veut qu'il se prospère. Dieu n'a jamais intégré dans sa pensée la notion de la pauvreté sur la vie de sa créature que tu es. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté est une malédiction. Elle est la conséquence de la désobéissance d'Adam. Si Adam était resté obéissant à Dieu, comme Dieu le voulait, l'homme n'aurait jamais connu le mot pauvreté. Et le but de cet enseignement, c'est de t'amener, toi, à éradiquer, à détruire, à faire disparaître le mot pauvreté dans ton environnement. De telle enseigne que tes enfants n'apprendront le mot pauvreté que dans les livres. Ils n'auront jamais vécu. Parce que Dieu veut que tu amènes l'Éden à être manifeste sur cette terre. Ta maison va ressembler au jardin d'Éden. Ta vie sera semblable à celle que Dieu a voulu qu'Adam mène sur la terre. Et c'est possible. Vous savez, il y a des gens qui s'amusent parce que mal éclairé à dire que Dieu veut qu'on soit pauvre. La Bible nous parle de la doctrine des démons et je crois pour ma part, j'ai une conviction personnelle là-dessus, que les personnes qui prêchent le message encourageant les gens à la pauvreté sont en train d'accomplir une œuvre de l'enfer. Parce que Dieu n'a jamais pensé pauvreté. C'est un message qui vient de Satan. Parce qu'il sait que aussi longtemps qu'on sera pauvre, notre sagesse ne sera pas respectée, nos paroles seront méprisées, on ne sera pas considéré, on ne pourra pas apporter le témoignage de Dieu. Et il encourage au travers des messagers. Beaucoup, n'est-ce pas, d'entre nous, à ne pas entrer en possession de ce que Dieu a pour eux. Écoutez-moi bien. Quand vous regardez la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, quand ils sont allés dans le désert, ils avaient déjà des propriétés entre leurs mains, n'est-ce pas? Ils avaient demandé aux voisins des vases d'argent, des vases d'or. On a vu ça tout à l'heure. Et est-ce que Dieu a donné faveur aux voisins? Est-ce que aux yeux de ces enfants, est-ce que les voisins leur ont donné des richesses? Est-ce qu'ils sont entrés
dans le désert avec l'argent entre leurs mains, avec de l'or entre leurs mains. Bon, on était, qui dit oui? D'accord? Ils sont entrés dans le désert avec des richesses, n'est-ce pas? On a vu ça tout à l'heure. Ils sont sortis avec de l'argent. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Quand ils arrivent dans le désert, ils avaient une terre qui avait été promise par Dieu. Moïse envoie 12 espions. Et il dit, allez voir Canaan et ramenez-nous les fruits de Canaan. Ils partent pour venir avec un rapport. Quand ils reviennent, ils étaient combien? Ils étaient 12. Quand ils reviennent, il y a combien qui donnent des rapports? Des 12. Et il y a 10 qui disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions, nous-mêmes, à leurs yeux comme des sauterelles. Numéro 1, les géants ne les avaient pas vus. Parce que si on les avait vus, ils ne seraient pas revenus. Est-ce que vous me comprenez? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et vous allez vous rendre compte, quand vous lisez la Bible, que malheureusement, la multitude était d'accord avec le rapport des 10. Mais deux autres, Josué et Caleb, ont parlé un autre langage. Ils disent, le pays où nous sommes allés est agréable. Il y coule le lait et le miel. Ils avaient entre les mains les fruits qu'ils avaient été capables de cueillir. Tous les 12. Mais les deux disent, l'Éternel, notre Dieu, nous donnera ce pays. C'était deux rapports différents des 10. Est-ce que vous savez que c'est le rapport des 10 qui a influencé la foi de la multitude et empêcher cette multitude d'entrer à la terre promise. Parce qu'ils ont cru au rapport des 10. Et il y avait 12. Et Jésus avait 12 disciples. Il y a, disons, 12 serviteurs de Dieu. Entre griffes, on découle tous de ce ministère apostolique. Mais je vais vous dire que ce n'est pas parce que quelque chose sort de la bouche d'un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose sort, n'est-ce pas, en disant, la Bible a dit que c'est ce que Dieu pense. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas entrés en possession de leurs promesses parce qu'ils ont suivi le rapport des 10. Des gens qui ont une mauvaise influence. Si tu te places sous un ministère, ou si quelqu'un qui ne voit pas les choses comme Dieu les voit, ça va hypothéquer ton héritage. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus pauvres, pas à cause du diable qui est venu en face, mais à cause des messages qu'ils ont entendus. Et les deux ont donné un autre rapport. Deux, comme Jésus et le Saint-Esprit. Deux, comme le Logos et le Rhéma. On ne s'arrête pas simplement au Logos, mais il faut une révélation derrière. Savoir comprendre les choses profondes de Dieu. Aller au-delà de simplement ce qui est écrit pour comprendre la profondeur de la révélation de ce que Dieu attend de nous. J'ai lu la Bible un jour et j'ai été impressionné de comment est-ce que Dieu a agi quand il a créé Adam. La Bible dit que quand il a créé Adam, vous voyez, il crée Adam et quand il rencontre Adam, Dieu n'a pas eu la formule de politesse qu'on a eue pour dire bonjour. Il n'a pas dit bonjour à Adam. La première chose qu'il a dit, je te bénis. Il n'a pas dit bonjour, il n'a pas dit, oh je te salue, comment tu vas, comment tu te sens sur la terre, non. Il a dit, je te bénis. Pourquoi est-ce qu'il dit, je te bénis, sois fécond? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le cœur de Dieu était rempli de pensées de bénédiction pour l'homme. Et dès que l'homme est arrivé, Dieu ne pouvait même plus avoir des formules de politesse, il a éclaté en disant, je te bénis, tellement il est rempli du désir. Oh my God, de te voir béni. Si tu pouvais savoir comment est-ce que Dieu désire plus que toute chose, que tu sois béni, que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu prospères, que les choses marchent, il le désire. Et je vais te dire que si les choses ne marchent pas, n'accuse jamais Dieu parce qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. Quand les choses ne marchent pas, n'accuse même pas le diable parce que je suis de ceux qui croient que le diable n'est pas assez puissant pour empêcher la réalisation des desseins de Dieu à ton égard.
D'ailleurs, je vais te dire ce que tu dois certainement savoir. Tout ce que le diable fait dans ta vie, il a besoin de ton accord. Il a besoin de ta permission. Si tu ne la lui donnes pas, il ne peut pas le faire. Tu dois être d'accord avec lui. Il va te pousser toi-même à signer le décret. C'est toi qui décides. Il va avoir une influence, mais il a besoin de ton accord. Il faut que tu lui donnes la permission. Il faut que tu acceptes son mensonge. Il faut que tu croies ce qu'il est en train de te dire. Si tu refuses, ça n'arrive pas. Alors je suis de ceux qui ont dit, plus de permission à Satan, plus de permission, plus de permission. Je ne permettrai pas à Satan de me faire croire son mensonge. Je n'ai pas été créé pour subir la domination des autres. Je ne suis pas en souhaite, non. Je ne suis pas venu sur la terre me balader et entendre les témoignages de l'élévation des autres. Je ne suis pas venu lire ce que Dieu a fait avec Abraham, comme si Dieu voulait me narguer. Je suis venu sur la terre parce que j'ai une histoire avec Dieu. Et je la vivrai dans sa plénitude. Ça doit être la révolte de ton homme intérieur. Alors nous verrons dans la Bible comment est-ce que Dieu a béni ses serviteurs. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a fait prospérer ses serviteurs. La première personne que Dieu a véritablement béni s'appelait Adam. Il avait tout. Il était propriétaire de la terre, nord, sud, est et ouest. Il était le plus grand propriétaire terrien que la terre n'ait jamais connu. Il possédait tous les territoires de la terre, tous les territoires, tout. C'était à lui. Et je vais même plus loin. Il était le propriétaire légitime de tout ce qui crée des guerres aujourd'hui dans le monde. Le pétrole de l'Irak, pour lequel ils ont été bombardés par les Américains, lui appartenait. Les diamants du Congo étaient à lui. Le cacao de la Côte d'Ivoire était à lui. Toutes ces richesses que vous imaginez étaient à Adam. Il en était le propriétaire. N'est-ce pas extraordinaire de voir que c'était à lui. Il avait toutes ces richesses. Et malheureusement, il les a perdues quand il a désobéi aux instructions de Dieu. Il les a donc données à Satan, en se soumettant à l'autorité de Satan. Et c'est comme ça que Satan est devenu le Dieu de ce monde. C'est pour ça qu'il a pu dire à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je te les donnerai car elles m'ont été données. Par qui? Par Adam. Mais au départ, Adam était le propriétaire légitime de toutes ses richesses. Est-ce que ça va? Numéro 2. La deuxième personne dont je voudrais qu'on regarde attentivement s'appelle Abraham. Et vous voyez, quand vous lisez la Bible, la Bible vous parle d'Abraham. Abraham était le fils de Terach. Terach était un adorateur d'idoles. C'est-à-dire que son père était un idolâtre. Son père n'avait rien à voir avec Dieu. Il était un idolâtre. Et Dieu a appelé Abraham. Et il dit dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, « Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. » Il dit, « Je te bénirai. » Vous savez, Dieu aime la bénédiction. « Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. » Il dit, « Je te bénirai. » Et j'ai vu des personnes dire, oui, bon, vous savez, quand Dieu t'appelle, il faut juste être grandement consacré parce que, bon, toutes ces choses-là, Dieu va te récompenser au ciel. Mais quand j'ai étudié précieusement la vie des hommes qui ont traité avec Dieu, je me suis rendu compte que Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans lui dire au départ qu'il va le visiter en retour. Quand il n'a pas dit, la personne a posé la question. Regardez le cadre, il dit, je te bénirai. Il montre la récompense. Il dit, voilà, viens, suis-moi, je te bénirai. Et quand je lis la Bible, Abraham, quand il quitte pour aller vers là où Dieu l'a conduit, il ne laisse pas les propriétés qu'il avait. Il prend les animaux qu'il avait, il prend ses serviteurs, il prend déjà ce qu'il avait et il s'en va à la rencontre de Dieu. Il s'en va là où Dieu lui a demandé de partir, avec les richesses qu'il avait. Et les richesses continuent même de se multiplier au point où, en certains moments, l'autre, qui était juste à côté, qui signifie voile, était là et ils ont commencé à avoir des problèmes. Et ils ont dû se séparer. Parce que même l'autre qui l'accompagnait était visité.
par la bénédiction au niveau des propriétés. Il n'avait pas de problème à ce niveau-là. Dieu l'avait béni. Et Dieu a promis, dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand ici. Ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Bénies après toi. Toutes les nations de la terre. Abraham, voilà ce que je veux faire dans ta vie. Je te bénirai. Et un jour, Jésus marche avec ses disciples. Il a trouvé Pierre, il était pêcheur. Il dit, viens, suis-moi. Pierre, pendant que Jésus était en train de parler au jeune homme riche, qui est venu, dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit, mais tu connais tous les commandements? Il dit, oh maître, avant même que Jésus ne cite, il dit, je connais par cœur. Et j'ai obéi à toute cette... Et la Bible dit, Jésus l'aima. La Bible dit, Jésus l'a aimé. Quand il a regardé, il a dit, vraiment, il a aimé le jeune homme. Et il lui dit, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et puis suis-moi. Le gars dit, non, ça devient trop compliqué. Et il s'en va le cœur triste. Et puis Pierre qui assiste à la scène, il dit, mais quand le gars s'en va, il dit, maître, ton histoire devient un peu compliquée. Parce que tu dis, il est plus difficile pour un riche d'aller dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Attends, donc, moi j'ai abandonné la pêche, j'ai laissé mon entreprise pour te suivre, et puis tu me dis qu'un riche n'ira pas au ciel. Maître, quand sera-t-il l'un de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Il lui pose la question. Et vous savez que Dieu n'aime pas, Dieu aime les gens qui posent des questions. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dû choisir Pierre comme leader. Et quand vous lisez dans la Bible, vous vous rendez compte que Jésus n'est pas allé dans la maison des autres pour s'occuper. Il est allé chez Pierre. Quand la belle-mère était malade, Pierre lui a dit, maître, on est dans le ministère, c'est vrai, mais j'ai ma famille. Jésus a dû aller prier pour sa belle-mère. Vous savez, et il a posé la question, quand sera-t-il de nous? Et Jésus n'a pas fui la question. Il lui a dit, Pierre, écoute-moi bien, il n'y a personne qui ayant abandonné pour moi son père, sa mère, ses terres, ses frères, et qui ne reçoivent dans ce siècle, numéro un, et dans le siècle à venir. Il a parlé de double récompense. Une récompense terrestre et une récompense céleste. Il n'a pas voulu qu'on attende la récompense du ciel sans avoir vu celui de la terre. Et je vais souvent dire ceci. Si tu n'as pas vu la récompense terrestre, rien ne prouve qu'au ciel... Rien ne prouve qu'au ciel. Parce qu'il a promis les deux. Il a promis les deux, n'est-ce pas? Et ça ne vous étonne pas que dans la Bible, quand on dit, quand il y a eu le mouvement de la manifestation de la puissance à la Pentecôte, les gens venaient déposer l'argent au pied de qui? C'était au pied de qui? C'était au pied de qui? Des apôtres. Est-ce que Pierre était là? Qui était le leader? C'était donc qui était le chef? Et à qui Jésus avait répondu? Est-ce que sur la terre, il n'a pas vu l'argent revenir à ses pieds? Il a vu revenir. Au point où il était, c'était plus un problème pour lui. Il a dû nommer des gens en disant, nous, ça, occupez-vous de ça. Nous, on doit aller à la prière, à l'étude de la parole et à l'enseignement. Parce que ça, c'est notre business. Mais vous savez que même la concentration pour un ministère efficace, quand la provision n'est pas manifeste, l'onction commence à être nuisible. Ça vous dérange même. Parce que quelque part, vous n'êtes pas épanoui. Est-ce que vous me comprenez? Le manque n'a jamais été intégré dans le système de pensée de Dieu. C'est la plénitude qui est de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient même avec abondance. Dieu pense abondance, le diable pense au manque. C'est Dieu qui... Dieu pense abondance et le diable, il pense au manque. Il dit donc à Pierre, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Je vous pose une question. Vous avez votre enfant, vous l'aimez tellement, tellement votre enfant, comme Dieu vous aime, Dieu nous aime tellement. Et vous envoyez vos enfants, votre enfant fréquenter en Belgique. Et vous dites, bon, tu vas en Belgique, fais tes études. Et pendant tout le moment où il est en Belgique, tu coupes avec lui, pas d'argent, rien, rien, tu n'envoies rien à l'enfant.
Et puis, l'enfant est là-bas. Tu ne le reconnais plus parce qu'il est là-bas. Est-ce que tu penses que cet enfant-là, s'il revient ici te trouver, la relation sera la même? Pourquoi? Parce qu'il dira, ce père n'est pas correct, il m'a abandonné quand j'étais à l'étranger. Si Dieu nous laisse sur la terre après notre conversion et nous faisons de fils d'ambassadeurs de Dieu, et que sur la terre il ne s'occupe pas de nous, quand on ira au ciel, il n'y a pas de raison d'être content. Est-ce que vous me comprenez? Parce que sur la terre, il nous a oubliés. Et ce n'est pas au ciel qu'il va dire, bon maintenant, viens, tu es mon enfant. Donc si Dieu t'oublie sur la terre, écoute-moi bien, sur la terre, tu n'as pas de signe de ce que Dieu est avec toi. Rien ne me prouve que tu es vraiment avec Dieu parce que Dieu ne peut pas oublier son enfant. Et donc, vous vous rappelez de l'histoire du riche et le pauvre Lazare? Le riche et le pauvre Lazare, la Bible, quand elle raconte cette histoire, les deux, ils étaient encore en vie ou ils étaient morts? Les deux étaient en vie ou ils étaient morts? Ils étaient en vie ou ils étaient morts? Mais la Bible dit, le riche et le pauvre, je pense, ils étaient morts. Mais pourquoi est-ce qu'on parle encore du riche et du pauvre? Comme si même après la mort, l'identité de pauvreté ne s'efface pas sur ta personne. Même après la mort, on dit le riche et le pauvre. Et on parle du riche qui était en enfer. Donc il était, même en allant en enfer, il avait gardé son identité de riche en enfer. Est-ce que vous me comprenez? Et suivez-moi très bien. Maintenant, les deux sont dans deux camps différents. Le pauvre est dans le sein d'Abraham, le pauvre Lazare. Quand le riche est dans les tourments et qu'il veut maintenant envoyer un message sur la terre, il regarde dans le sein d'Abraham et il ne trouve qu'une personne à qui il peut parler, au pauvre. Et il veut dire au pauvre, il faut que tu dises aux miens qui sont sur la terre que notre condition ici est terrible. Donc, même étant de l'autre côté, il s'en va, et j'aime souvent ironiser en disant, quand il parle au pauvre, le pauvre qui a gardé sa mentalité de pauvre tout en étant dans le sein d'Abraham a envie de partir. Et Abraham lui dit, mais calme-toi quand même. Les choses ont changé, maintenant on est au ciel. On est au ciel. Calme-toi. Tu vas où? Il dit, non, 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 non. Abraham, c'est lui qui me donnait le pain. C'est lui qui me donnait de la viande. Quand on était sur la terre, il a scolarisé mon enfant. Abraham dit, calme-toi. Maintenant, les choses ont changé. Mais la mentalité de pauvre est restée ancrée à l'intérieur de lui, même quand il a traversé la terre. Ça, vous me comprenez? Et donc, nous disons le ciel. Vous savez que le ciel est beau et merveilleux. Qui le sait? Beau, merveilleux, glorieux. On a un ciel incroyablement fabuleux. Le ciel, les rues sont parvées d'or. C'est incroyable, c'est magnifique. Mais, vous savez que ce que Dieu risque de faire au ciel, c'est de mettre une université de rééducation à la mentalité pour certaines personnes. Parce que si sur la terre, tu n'as pas marché sur un tapis, et qu'au ciel, on te présente directement de l'or pour d'image dessus, est-ce que tu me comprends? Tu risques d'avoir des problèmes quand tu vas arriver. On te dit, Marc, tu dis, non, Dieu, c'est trop glorieux. Parce que sur la terre, même le tapis, tu n'as pas eu. On devra te mettre quelque part pour t'enseigner maintenant à te réadapter à la gloire. Et donc, Dieu ne veut pas que tu sois choqué. N'oubliez pas, Dieu ne veut pas que tu sois choqué. Donc, il te prépare sur la terre en te faisant goûter les prémices de ce que tu vivras là-haut. Est-ce que tu comprends? Sur la terre d'abord. Il te fait goûter aux prémices de sa gloire avant que tu ne partes. Donc Dieu n'a aucun problème avec ça. Aucun. Aucun problème. Aucun problème à ce que tu sois véritablement béni. Il a béni ses serviteurs. Ça a toujours été ce que Dieu a fait. Dieu a visité ses serviteurs. Nous avons parlé du cas d'Abraham qui a été visité par Dieu. Sérieusement béni par l'Éternel. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est vrai que il y a des dangers qui sont associés à la pauvreté, à la richesse. Parce que, vous savez, riche, quand Dieu vous donne de l'argent, que Dieu vous récompense financièrement riche, il y a des dangers qui sont associés à la richesse. Il y a des dangers. Il y a des dangers qui sont associés à la richesse.
C'est pour ça que si l'argent arrive entre les mains de quelqu'un qui ne connaît, dont le cœur n'est pas prêt à recevoir, cet argent sera pour cette personne une occasion de chute. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu a dit aux riches, vends ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Et quand vous lisez bien la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc en quelque sorte, ce que Jésus voulait faire, Jésus voulait l'amener de la richesse à la prospérité, afin d'affecter d'abord son âme et de lui redonner, de retrouver ça quand il était maintenant prêt à être maître sur les richesses. Parce que là où il était, les richesses étaient son maître. La preuve, quand Jésus a parlé, il n'a pas pu obéir. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'obéir à Dieu, cette chose devient ton Dieu, ça devient une idole. Ça prend la place de Dieu dans ton cœur. Et Dieu n'aime pas ça. Il veut que Dieu soit ton maître. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils ne jeûnent plus. Ils ne peuvent pas jeûner. Même si Dieu demande de prendre longtemps de jeûne, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Et donc, souvent, je dis, vous voyez, quand vous arrivez en Amérique, les gens, ils louent beaucoup le Seigneur. Parce que la Bible a dit que celui qui est dans les problèmes, qu'il prie. Celui qui est dans la joie, il chante les cantiques. Donc quand on est rassasié, on a plus tendance à chanter. Et quand on a des problèmes, on a plus tendance à prier. Parce que quand on a... Vous savez, les problèmes vous font prier. Hein? Quand vous êtes dans des difficultés, vous priez vraiment, sérieusement. Okay? Donc c'est important de comprendre ça. Dieu veut que chacun d'entre nous soit sérieusement béni. Donc il y a des dangers associés à la richesse. Il y a des dangers. Parce que quand l'argent arrive entre tes mains, quand tu as l'argent et que l'argent arrive entre tes mains, l'argent va extérioriser toutes les faiblesses que tu as. Toutes les faiblesses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans cette église qui sont corrects simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de pécher? Ils sont corrects. Ils sont toujours sérieux parce qu'il n'y a pas de moyens. Si on avait mis l'argent entre ses mains, il aurait exécuté ses desseins. Parce que même pour pécher, il faut avoir les moyens. Mais comme il n'en a pas, il est obligé d'être correct. Donc quand l'argent arrive, l'argent va extérioriser tout ce que tu es. L'argent va montrer exactement aux gens le schéma de ton âme. Exactement. Exactement. On le verra tout de suite. L'argent va amener à manifestation ta personnalité intérieure. Vous savez, la priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. Est-ce que nous pouvons, malgré le fait que Dieu nous donne de l'argent, quand on voit une personne sauvée, être toujours touché et béni de voir une âme sauvée? Est-ce qu'on peut tout être sensible à Dieu, rester dans sa présence, lever des mains des heures pour lui dire, Seigneur, je t'aime? Est-ce qu'on peut rester à ses pieds et étudier la parole, juste une relation fusionnelle avec lui, malgré les richesses que nous avons? Est-ce que Dieu aura toujours la première place? C'est ça. C'est ça la chose la plus importante, qu'il ait la première place. L'argent ne devra jamais prendre la première place dans ton cœur. Jamais. Jamais. Dieu doit être ton maître. Et toi, tu dois, n'est-ce pas, être le maître de l'argent. L'argent ne doit jamais te dicter ce que tu as à faire. Il y a des gens, quand ils ont l'argent entre leurs mains, j'en ai vu plusieurs fois, ils ne peuvent pas dormir. Il faut qu'ils aillent dans la boutique. Nouvelles chaussures, nouvelles robes, nouvelles ceintures, nouvelles montres, nouveaux trucs, nouveaux. On paye la nourriture, on paye ici, on paye. Tant que l'argent n'est pas fini, on est toujours excité. Est-ce que tu peux avoir de l'argent et puis être calme? Continue de vivre comme si de rien n'était. Parce que toi, tu dois être le maître. L'argent ne doit pas être ton maître. Tu dois. Faut pas l'oublier. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'onction ou le mécanisme de l'onction de la prospérité. Le mécanisme de l'onction. Comment est-ce que l'onction de la manifestation de cette onction. D'ailleurs, je vais préciser ceci. Je pense qu'il n'y a pas une onction particulière, une onction à part, qui est que Dieu te donne spécialement pour la prospérité. Non. Nous avons tous la même onction, mais qui peut avoir des fonctionnalités différentes.
C'est-à-dire quoi? L'onction peut être comparée au courant. Si vous avez une prise et que le courant circule, la même prise, si je branche le frigo, qu'est-ce qui se passe? Le courant va produire quoi? Le froid, n'est-ce pas? Si je branche mon courant, ma prise du frigo sur le courant, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à être glacé. J'enlève la prise et je reconnecte le fer sur le même courant. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur. Je débranche la prise. Je remets maintenant une prise d'un abat-jour. Qu'est-ce que ça produit? La lumière. Je branche un ventilateur. Je l'allume. Qu'est-ce qui se passe? Le courant va produire un mouvement qui va déclencher la visitation d'air, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est le même courant, mais qui peut produire différentes manifestations ou différentes fonctionnalités. On est d'accord? C'est un peu comme ça l'onction. D'accord. Maintenant, si l'onction qui est en vous doit déclencher le mécanisme de la prospérité, voici un peu comment ça doit se passer. C'est de ça que je veux parler. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Ok? Un jour, Jésus arrive dans le temple et puis dans la synagogue, et puis il déroule le livre de la loi, et la Bible dit dans Luc 4, verset 18, il découvre écrit quelque chose qu'il connaissait, il le lit publiquement, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, proclamer une année de grâce du Seigneur, le recouvrement de la vue aux aveugles. » Et il roula ensuite le livre et dit, « Aujourd'hui, cette portion de l'Écriture s'est accomplie. » N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce que, quand nous parlons d'onction, aujourd'hui dans nos églises, les gens ont tous tendance à croire que l'onction est simplement là pour guérir. L'onction a plusieurs fonctionnalités. Elle n'est pas là simplement pour guérir. Mais il a même cité la guérison en deuxième position. Et il dit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si vous trouvez un pauvre quelque part, quelle bonne nouvelle vous allez lui donner? C'est quoi? Tu dis à un pauvre, quelle est la bonne nouvelle que le pauvre attend? Hein? Que sa condition va changer. Le malade, la bonne nouvelle, c'est que je vais être guéri. L'aveugle, la bonne nouvelle, c'est que je vais voir. La bonne nouvelle du pauvre, c'est qu'il va être riche. C'est ça qu'il attend. C'est la bonne nouvelle du pauvre. Je veux, ma condition va changer. Donc il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Ça veut dire que dans le fonctionnement du revêtement de l'onction dans la vie, il y a ce mécanisme qui peut amener l'éradication de la pauvreté dans la vie d'un individu. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et vous voyez, je vais prendre un exemple biblique pour vous montrer un peu comment est-ce que le déclic de la visitation de cette onction s'opère dans la vie d'un individu. Allons-y dans Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26. Je vais lire le verset 1. Ensuite, je vais sauter pour aller au verset 12. Il y eut une famine dans le pays où de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut, oh là c'est très bien, et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai,
car je donnerai à toutes ces contrées et à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. On s'arrête là un moment. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Dieu a béni Abraham et lui a fait une promesse. Il dit, je te bénirai. Ok? Toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Donc, Isaac est le fils d'Abraham, qui est de la postérité de la promesse. En quelque sorte, il est l'héritier de la parole qui a été relâchée sur la vie d'Abraham. Donc, il hérite d'une bénédiction qui a été annoncée à Abraham. Il est la postérité à qui la promesse a été faite. Mais il arrive que cet Isaac a hérité de son père. Et je ne sais pas ce qu'il a fait de la gestion des biens que Abraham lui avait donnés. Parce que là, il se trouve dans une position où, apparemment, ça ne va pas bien pour lui. Et Dieu lui dit, quand il veut aller, n'est-ce pas, à Guérar, Dieu lui dit, attention, ne descends pas à Guérar. Ne descends pas en Égypte. Il veut aller en Égypte. Il est à Guérar. Il veut aller en Égypte. Il dit, ne descends pas en Égypte. Reste à Guérar. Séjourne ici. Et Dieu précise, je vais tenir ma parole que j'ai faite à ton père. Il dit, je te bénirai. Il lui répète la bénédiction annoncée à Abraham. Et ça, c'est extraordinaire. Il lui dit au verset 4, au verset 3, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. En quelque sorte, à toi et à ta postérité, je te donnerai la promesse que j'ai faite à Abraham. Il dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. En quelque sorte, Isaac, je pouvais même te laisser faire tout ce que tu avais envie de faire. Mais parce que ma parole a été annoncée à ton père et que tu es dans cette postérité à qui je dois respecter le serment fait à ton père, parce que j'ai juré à ton père que j'allais le bénir, reste ici. Je vais tenir parole. Pas à cause de toi, mais d'abord à cause de ton père. Mais je veux que tu mettes en pratique le mécanisme qui va permettre à la parole relâchée à ton père de s'accomplir dans ta vie. Parce que le tout n'est pas d'avoir une parole de Dieu. Il faut encore déclencher le mécanisme qui permette à la parole de s'accomplir. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Et la première des choses qu'il va dire à Isaac, il dit, ne descends pas en Égypte. Laissez-moi vous dire ceci. La réelle prospérité commence, numéro un, par la révélation de Dieu. Numéro un, par la révélation. Quand vous commencez à avoir une révélation, la première, c'est la révélation. Dis après moi, révélation. Encore révélation. Encore révélation. Ça commence par la révélation. Parce qu'il voulait faire comme tout le monde. Son père avait eu le même problème. Son père avait connu la famine. Son père était descendu en Égypte. Il a dit, bon, j'ai un problème. Mon père m'avait raconté quand c'était Dieu, il était allé en Égypte. Et Dieu lui dit, non, stop. Ne fais pas comme ton père. Et une révélation. Reste là. Ne fais pas comme ton père. Donc, il a eu un contact avec Dieu. Et ça, c'est important. Il a eu une révélation. Deux. Dieu lui donne maintenant la localisation. Après la révélation, il faut la localisation. La localisation. La localisation. C'est-à-dire que notre prospérité ne dépend pas du territoire que nous avons choisi, mais notre prospérité dépend du territoire que Dieu a choisi pour nous. La localisation. Il lui dit, ne descends pas en Égypte. Reste à Guérar. Guérar, symbole de l'hostilité, symbole de la difficulté. C'était la famine. Rien ne marchait, rien ne pouvait pousser, il ne pleuvait pas. Guérar était sec. Il y avait une migration. Tout le monde fuyait. On partait. Comme aujourd'hui, les Africains fuient. On va aux États-Unis, on va en Belgique, on va en France. Il faut qu'on y aille. Si je vais là-bas, je réussirai. Si je vais là-bas, je réussirai. Si je vais là-bas, je réussirai. Je vais te dire ceci. Écoutez-moi bien. Ta réussite n'est pas fonction de l'endroit où tu es. Elle est d'abord fonction de la révélation que tu as de Dieu. C'est d'abord ça. Et ta localisation va subir l'influence de ta révélation. Ta localisation va subir l'influence de la révélation. Quand Abraham et Lot ont eu des problèmes et qu'ils se sont séparés, vous savez,
Lot a reproduit ce qu'il était là où il est parti. Il a choisi, a vu, un endroit agréable. Mais après, il y a eu du feu et la destruction. Pourquoi? Parce que si tu es un voleur, si tu es un pauvre, si tu es un homme mauvais, tu vas reproduire ce que tu es, quel que soit l'endroit où tu vas, en Chine, aux États-Unis. La pauvreté ne fuit pas parce que tu as changé d'endroit. Elle va se manifester. Tu le veux ou pas, tu vas, ça va se reproduire là où tu vas. La localisation ne va pas changer, c'est la révélation qui est la clé. Maintenant, quand j'ai une révélation, il faut que je sache écouter Dieu pour ma localisation. Et vous savez, si Dieu ne s'est pas trompé et qu'il est ton sage architecte, et qu'il t'a donné de naître au Burundi, et qu'il m'a donné de naître au Cameroun, et qu'il a donné à Olivier de naître en France, écoutez-moi bien, je crois que l'environnement où je suis né était la localisation que Dieu a choisie pour moi. Si je dois me déplacer pour aller ailleurs, il faut que j'entende Dieu. Si je n'ai pas entendu, là où je suis, c'est ma localisation. C'est le meilleur endroit que Dieu a choisi pour moi pour prospérer. Je n'ai pas le droit de penser que je vais aller ailleurs pour m'épanouir. Sauf si Dieu me demande de faire un mouvement migratoire pour aller quelque part d'autre. Là où je suis né, c'est le meilleur endroit. Dieu l'a choisi pour moi. Et vous savez, donc s'il y a l'adversité, s'il y a des problèmes et que j'ai une révélation de Dieu, je l'écoute. Et la Bible dit que Isaac, au verset 12, sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel l'a béni où? Il a béni où? À Guérar. Il y avait quoi à Guérar? La famine. Mais l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Or, que la richesse que Dieu te donne, donne aux païens de t'envier. Que les gens te livrent la guerre à cause de l'insolente visitation que le ciel t'aura accordée au Burundi. Les gens te regardent et disent, mais ce n'est pas possible. Ce gars doit faire de la sorcellerie, doit avoir une pratique mystique. Et ne dit jamais non. Parce que je vais te dire que quand la manifestation du mécanisme de l'onction de prospérité se masse, se touche, ce n'est plus quelque chose de normal, ça devient quelque chose de mystérieux. Ce n'est plus explicable. Comment est-ce que tu peux récolter au centuple là où il y a la sécheresse? Ça ne respecte plus les normes naturelles. Parce que quand Dieu t'a donné une parole, la parole va venir ébranler tous les mécanismes humains pour l'accomplissement de la volonté divine. Et donc un jour, Jésus était avec ses disciples dans une barque au rivage et les disciples sont allés dans la barque. Et puis après, Jésus a décidé de les rejoindre d'une autre manière. Il n'a pas emprunté de barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Et donc les disciples l'ont vu, ils ont commencé à avoir peur. Mais ce n'est pas possible ça. C'est un fantôme. C'est pas... Et Pierre, très courageux toujours, le même Pierre. Quand le Seigneur dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit, si c'est toi Seigneur, ordonne aussi que moi, je puisse marcher sur les eaux comme toi tu marches sur les eaux. Ordonne que je vienne. Le Seigneur lui dit, il n'y a pas de problème, viens. Et ensuite, Pierre va à la rencontre du Seigneur. Et en ce moment-là, Pierre marchait sur quoi? Il a marché sur quoi? Mais vous savez que ce n'est pas totalement vrai, parce qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Pierre, quand Jésus a dit « viens », la parole de Dieu s'est placée entre l'eau, sur au-dessus de l'eau. Donc quand Pierre marchait, il ne marchait pas sur l'eau, il marchait sur la parole qui lui avait été donnée. Est-ce que vous me comprenez? Donc la parole était un pont qui est venu se placer au-dessus de l'eau. Donc quand Pierre a posé le pas, il n'a pas posé le pas sur l'eau, il a posé le pas sur la parole qui lui avait été donnée. Et cette parole était en pont. Et il a commencé à défier les lois. Chaque fois que tu as écouté de Dieu et que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas défier les lois. Que tous les autres subissent, ça ne t'arrivera pas. Vous savez qu'il y a des lois qui défient les autres. La loi de la gravité. Quand vous voyez un avion voler, vous avez déjà vu un avion qui est attiré par terre parce qu'il vole. Normalement, un objet lourd qui est mis en l'air n'est pas attiré par la terre.
Vous mettez en avion, vous mettez des tonnes et des tonnes. L'avion reste en l'air, il ne descend pas. Vous savez ce qui a fait ça? Parce qu'on a découvert une autre loi qui est capable de défier la loi de la pesanteur. Cette loi-là, ou la loi de la gravité, cette loi, c'est la loi de l'aérodynamique. Quand cette loi-là fait que, quand elle est mise en action, la loi de la gravité se tait. Est-ce que vous me comprenez? Elle vient taire la loi de la gravité. Quand Dieu t'a parlé, aucune autre loi, aucune, qui influence tous les autres personnes, ton environnement, se tait. Parce que cette loi, qui est la loi de l'obéissance à la parole, par l'amour, est terrible. Elle produit des résultats spectaculaires. Il s'émargue, Guérard. Donc, première révélation, 2, localisation, 3, activation des principes. Dis après moi, activation des principes. Encore, activation des principes. Vous savez que si Dieu avait parlé à Isaac et que Isaac n'avait pas obéi, Isaac serait mort dans la sécheresse. Le tout n'est pas que Dieu t'ait parlé, mais est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu as activé le principe de Dieu quand il t'a parlé? Il s'aima à Guérard. Et c'est après avoir s'aimé qu'il a recueilli au centime. Donc, il faut encore activer les principes de Dieu quand Dieu nous parle. L'activation des principes. Et je peux vous montrer pour dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, qu'il n'y a jamais eu un homme que Dieu a insolemment béni par hasard. Aucun. Aucun. Et je vais vous dire ceci. Et ce matin, j'étais en train de parler avec Dieu. Et Dieu me l'a dit fortement. C'était à 10h, moins 20. J'ai regardé à ma montre. Dieu m'a dit, dis à mon peuple que s'ils décident de s'arrêter à la dîme, ils vont rester dans la masse et dans la foule. Les gens qui se sont distingués ont surpassé ce que tout le monde autour d'eux était capable de faire. Regardez dans la Bible. Regardez dans la Bible. Il n'y a aucun homme que Dieu a visité spécialement qui faisait les choses communes que tout le monde faisait. Abraham a payé la dîme, ça n'a pas suffi. Dieu lui avait donné une parole quand il a payé la dîme à Melchisédek. Dieu est resté, il a regardé Abraham. Il dit, il n'y a pas de souci. Marche devant ma face et sois intègre. C'est ce qu'il lui a dit. Continue de marcher devant ma face. Sois intègre, Abraham. Et un jour, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Et donc, il met Abraham à l'épreuve. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. D'abord, première question que je vous pose. Première question. Abraham avait combien de fils? Il avait combien de fils? Il avait combien? Et non, il avait 2. Mais la Bible dit, donne-moi ton fils, ton unique. En quelque sorte, Dieu n'a jamais considéré ce qu'on a acquis hors de sa volonté. Il n'a jamais compté. Abraham dit, j'ai 2 fils. Quand Dieu lui parle, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Ça veut dire qu'il ne compte pas ce que tu as eu hors de sa voix. C'est toi qui comptes ça, mais lui ne compte pas. Et demain, je vais vous montrer comment est-ce que, vous savez, on peut enregistrer ici à l'église. On dit, bon, les offrandes du jour, on fait 5 000 $. Quand Dieu au ciel, il fait ses calculs, il dit, bon, à El Shaddai, aujourd'hui, on a eu 500 $. Parce que Dieu n'enregistre pas tout ce qu'il y a dans le panier à l'église, n'est pas compté au ciel. Parce que si Dieu te dit, apporte-moi 1 000 $, et que tu apportes 900 $, tu n'as pas obéi. Le pasteur va te bénir, il va dire que Dieu te visite, parce que lui ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Il ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Il va, moi, je vais te bénir. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu seul sait ce qu'il t'a dit. Et toi, seul, tu sais ce que Dieu t'a dit. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Imaginez-vous un seul instant. Imaginez-vous un seul instant. Un seul. Abraham vient, il récupère Ismaël et il s'en va avec. Vous pensez que Dieu aurait accepté? Il a bien précisé, donne-moi celui que tu aimes. Isaac, ton fils unique, Isaac. Laisse-moi te dire que quand tu dis, je vais faire un sacrifice à Dieu, Dieu ne va jamais accepter ce que toi-même tu n'as pas aimé. Ne pense pas que Dieu ne se sent pas obligé de prendre ce que... Tu vois que quand il demandait des offrandes, il dit, ne m'apportez pas les bêtes boiteuses, ne m'apportez pas les bêtes aveugles, apportez-moi ce qui est bien important, parce que c'est ce que je veux. C'est que toi tu n'as pas apprécié, ne pense pas que Dieu va l'accepter. Il ne l'accepte pas.
voyez un peu? Il dit, apporte-le sur la montagne que je te dirai. Et j'aime cette histoire parce que Abraham, n'est-ce pas, il prend son fils. Je ne sais pas ce qu'il a dit à Sarah. Je ne sais pas s'il y a eu une causerie avec Sarah. Parce que Sarah était tellement protectrice de cet enfant, elle a même lui chassé Agar de la maison. Et il dit, Ismaël, je ne veux plus le voir ici. Est-ce que vous me comprenez? Mais alors que Ismaël et Agar ont quand même aidé Sarah à développer sa foi. Parce que Sarah ne croyait pas qu'elle pouvait tomber enceinte. Mais quand elle a vu sa servante, avec le ventre qui a commencé à pousser, elle a commencé à avoir des douleurs, elle a commencé à voir comment elle crachait, le fait d'avoir vu dans le naturel comment est-ce qu'une femme peut tomber enceinte a quand même aidé sa foi à croire qu'elle aussi elle pouvait être enceinte. Souvent vous pouvez voir quelqu'un à côté de vous être béni, alors que Dieu bénit la personne pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une bénédiction, pour que vous puissiez croire. Est-ce que vous me comprenez? À toute chose concourt bien de ce qu'aime Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je ne sais pas ce qu'Abraham a dit, mais il est parti avec le fils. Et ce que j'aime, c'est la réaction du fils. Ils marchent ensemble. Et en route, le fils dit, papa, papa, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'offrande du sacrifice? J'ai vu des gens, vous savez, Dieu te parle aujourd'hui, pose une action à l'église, donne un geste, fais un geste. Et puis, après, si, je vais te dire, si le sacrifice que tu apportes à Dieu est muet, c'est que Dieu ne l'a pas demandé. Chaque sacrifice que Dieu doit t'apporter va te parler. Qu'en est-il de la scolarité? Qu'en est-il de la voiture? Qu'en est-il de ta villa? Qu'est-ce que tu vas faire de ci? Parce qu'il faut que le sacrifice te parle. C'est ce qui prouve qu'il vit. Il t'est déjà arrivé de vouloir donner quelque chose à Dieu et puis la chose commence à te parler? Mais comment tu vas faire demain? Comment tu vas faire ci? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ci? Et vous savez, Abraham n'a pas laissé le sacrifice lui dicter ce qu'il y avait à faire. Il dit, hé, Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau du sacrifice. Vous dites, ce n'est pas ton business. Moi, je t'apporte et Dieu va régler ce problème. On apporte des offrandes très muettes à l'église. Ça ne parle pas, c'est tellement, oh Seigneur. Et puis, vous allez vous rendre compte que chaque fois que quelqu'un vient me dire, moi, je vais vous dire, oh, voyez, j'ai été touché, j'ai donné tout ce que j'avais à Dieu. Je m'arrête, je dis, c'était combien? Parce que généralement, c'est plus facile, je dis, j'ai donné tout quand c'était 10 dollars. Mais j'ai rarement vu quelqu'un me dire, j'avais 10 millions de dollars sur mon compte, et puis j'ai signé le chèque, j'ai donné à Dieu tout ce que j'avais. Jamais le tout, c'est le peu. Mais quand ça commence à gonfler, on ne dit plus, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais il ne faut pas oublier que dans l'action du sacrifice, Dieu va te rencontrer au niveau de ton sacrifice. Dieu ne va jamais violer ce principe. C'est au niveau de ton sacrifice qu'il va te rencontrer. Si tu ne peux pas donner les choses précieuses à Dieu, n'oublie pas, Dieu ne te donnera jamais de choses précieuses. Enfin, c'est-à-dire, ne l'oublie jamais. Dieu ne se trompe pas. Je dis bien, il ne se trompe pas. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Je vais être distingué du lot. Je vais faire partie des personnes que Dieu va insolemment bénir. Tout dépend de ma capacité à provoquer la visitation de Dieu au niveau de ma vie. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Et la Bible nous dit qu'Abraham a marché pendant 3 jours, n'est-ce pas, sur la montagne. Et à Jésus, quand il parlait d'Abraham, il dit, Abraham a vu mon jour et puis il s'en est réjoui. Souvent, on se demande comment, mais c'est sur cette montagne qu'il a vu le jour du Seigneur. Il a marché 3 jours. Jésus a fait combien de jours dans la tombe? Vous pensez que c'est un hasard? Il dit, donne-moi ton fils, son unique. Et puis Dieu a donné son fils unique. Vous pensez que c'est un hasard? C'est l'acte d'Abraham qui a déclenché, qui a ouvert la porte pour que Dieu puisse agir pour l'homme. Si Abraham ne l'avait pas fait, Dieu n'aurait pas eu de moyen légal d'envoyer sur la terre son fils. C'est pour ça que Dieu a trouvé qu'Abraham était un homme grand, en apportant son fils unique sur la montagne. Et vous savez, comme Dieu aussi a dit mon fils unique, alors qu'en fait, ce n'était pas le premier fils de Dieu, parce qu'il y avait eu le premier Adam, qui lui avait désobéi, qui peut aussi être appelé comme Ismaël, mais Dieu ne l'a pas considéré, il a envoyé son fils unique, mais le premier Adam avait existé avant le second. Méditez là-dessus. Le même cas qu'Abraham. Deux fils, mais un qu'on valorise, un autre qui n'est pas considéré. Parce que lui, il ne sort pas du chemin que Dieu a voulu. Même situation. Dieu nous rencontre au-dessus de notre sacrifice.
Au niveau de l'enseignement. Voilà, maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, je vous touche un autre point. Et ça va vous faire réfléchir. Imaginez-vous au moment qu'Abraham, il y avait plusieurs montagnes. Dieu dit, sur la montagne que je te dirai. Si Abraham avait pris son fils Ismaël, Isaac par exemple, et au lieu d'aller sur la montagne que Dieu avait choisie, il se trompe pour aller sur une autre montagne. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tué son fils. Mais est-ce qu'il aurait vu la main de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu l'attendait dans un endroit précis? J'ai entendu, oh oui, j'ai donné à Dieu, je n'ai pas vu Dieu faire. Est-ce que tu as porté ça sur la montagne où Dieu attendait? Si tu te trompes de montagne, Dieu n'est pas responsable. Tu vas donner ton argent dans un endroit où tu sais qu'il n'y a pas la vie de Dieu, on ne prêche pas l'évangile, on a affiché toutes les statuettes, et puis, oh, amen. Et puis bon, tu dis, il faut que Dieu me visite. Tu t'es trompé de montagne. Il y a des montagnes sur lesquelles Dieu ne rend pas visite. Ce ne sont pas toutes les églises, ce ne sont pas tous les lieux d'adoration qui sont agréés par Dieu. Ce ne sont pas tous les hôtels qui existent qui doivent recevoir l'argent que Dieu t'a donné. Il faut avoir beaucoup de maturité. Vous savez, hier, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. Je n'ai même pas partagé avec mon responsable de protocole. J'étais à la table avec votre pasteur. Et à la fin, quand les âmes ont été données, il a pleuré. Je vais vous dire que j'ai été touché. Je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi le cœur de cet homme. Il a versé des larmes. Il m'a dit, ça fait longtemps que j'attends voir des choses pareilles. Vous savez, ça m'a touché. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenu. J'étais touché à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Quel amour pour Dieu. Quel amour pour Dieu. Quel amour. Vous ne pouvez pas savoir quel privilège vous avez d'avoir un homme avec un tel cœur. Je vous dis la vérité. Je voyage beaucoup. Je rencontre les gens. Je rencontre les gens loin. Je vous dis, j'ai été ébranlé dans mon âme. J'étais touché dedans. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai peut-être 10 ans de moins que lui, mais je t'en supplie, quand j'aurai son âge, que je puisse avoir encore la même passion et la même flamme. Je t'en supplie. Je vais vous dire, tout le monde n'a pas le privilège d'avoir la bonne montagne. Tout le monde n'a pas le privilège d'avoir le bon haut lieu, le bon hôtel. Sacrifice peut être apporté. Je ne sais pas, j'ai vu beaucoup de mercenaires emporter vos offrandes et disparaître avec. C'était des mercenaires. Ils sont venus, oui, bon, maintenant il y a quelqu'un ici qui donne 5 000 dollars, il va recevoir tant. Vous savez, c'est la même chose que la loterie ou les tombolas. C'est la truanderie. Ce n'est pas tous les hôtels qui peuvent recevoir votre sacrifice. Et après, vous vous plaignez, oui, j'ai fait, j'ai rien vu. Mais tu l'as apporté sur quelle montagne? Sur quelle montagne? Sur quelle montagne? Il faut te poser la question. Dieu t'attend sur la montagne qu'il a exigée. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a apporté un sacrifice à Dieu et Dieu est resté avec. Dieu ne garde jamais le sacrifice que vous lui apportez. En fait, le fait de vous le demander, c'est juste un test de votre cœur pour voir si vous pouvez aller à une autre dimension. Abraham avait eu un fils et Dieu voulait lui donner des milliers de fils. Il lui dit, bon, je vais faire un test pour voir si tu peux continuer de me faire confiance. Apporte-le-moi. C'était pour circoncire son cœur et donner à ce cœur d'avoir vraiment de l'amour pour Dieu. Tu as peut-être 500 000 dollars ou 100 000 dollars et Dieu te dit, bon, fais-moi une offrande de 10 000 dollars, de 20 000 dollars et puis tu résistes, tu apportes 1 000 dollars dans le panier. N'oublie pas, tu as fermé les portes du ciel parce que Dieu ne te donnera plus jamais au-dessus de ce que tu as eu. Parce que ton cœur n'a pas démontré à Dieu que Dieu pouvait te faire confiance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que quand Dieu me parle, dans la spontanéité j'agis, il y a de la joie à donner. Et Dieu ne va jamais garder ce que vous apportez. Et à la montagne, quand Abraham est arrivé, quand il voulait tuer son fils, il dit, maintenant que je sais que tu m'aimes, maintenant que je sais que tu m'aimes, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, en quelque sorte, Dieu, quand tu dis à Dieu, je t'aime du bout des lèvres, il attend que tu le lui demandes par l'action de ton offrande. C'est ce que tu apportes à Dieu, c'est ce que tu donnes à Dieu qui lui prouve ton amour. Puisqu'il a fait la même chose, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils.
Parce que le donner est toujours la preuve de notre amour. Si je n'ai pas donné, si je ne me donne pas à Dieu, je ne l'aime pas. Si je ne donne pas mon temps, je n'aime pas. Je n'apporte pas mon offrande, je n'aime pas. Je ne donne pas un sacrifice à Dieu, je ne l'aime pas. C'est ce que je donne qui démontre à Dieu que je l'aime. Et n'oubliez pas que Dieu n'est pas stupide. Il ne peut pas confier ses trésors à ceux qui ne l'aiment pas. Et il veut que tous les jours, on lui rappelle qu'on l'aime en lui apportant sur l'autel. Mais il n'a pas envie de garder ce qu'on apporte. Chaque fois qu'on apporte à Dieu, c'est une mesure. Il se sert de cette mesure pour nous bénir insolemment en retour. Et donc, demain soir, je vais vous entretenir. Tout au long, on va aller cas par cas. Je vais vous montrer depuis la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce. Comment est-ce que dans toutes ces dispensations, cas par cas, Dieu a traité avec des hommes et ça les a influencés. Vous savez, je n'ai jamais lu ça quelque part. Jamais. J'étais à Atlanta. J'étais en train d'attendre à l'aéroport. J'étais en transit. J'avais environ 4 à 5 heures de transit. J'étais en train de parler en langue à l'aéroport quand Dieu m'a dit, prends ton bic et ta feuille. J'ai envie de te parler. Et j'ai couru, j'ai commencé à noter. Il m'a dit, observe ceci. Et il a commencé à me parler depuis la Genèse. Il m'a parlé du principe de semer et de récolter dans toutes les dispensations. Il m'a montré la notion de sacrifice qui a traversé depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il m'a montré clairement dans la Bible et il m'a dit, si tu veux arriver à une dimension de visitation, je respecte le même principe. Clairement. Ça n'a jamais changé. Jamais, 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 jamais. Si vous voyez quelqu'un qui est arrivé à l'abondance et qui n'est pas passé par ce chemin, le fils qu'il a, ce n'est certainement pas Isaac. Il doit s'appeler Ismaël. Que Dieu garde ton cœur et que Dieu te bénisse.